Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons continuer ce que nous avions commencé. Ça fait à peu près 3 numéros dont nous parlons de l'état de siège et de cette convocation de table ronde que le président de la République est en train d'envisager pour finalement évaluer ou mettre fin à cet état de siège. Dans les regroupements politiques et puis dans les salons politiques, on en parle, mais on ne sait pas exactement à quoi nous allons nous attendre avec cette table ronde. Et ici, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons encore en parler sur l'état de nos forces armées congolaises, donc le FARDC, et les réformes qui doivent être apportées pour justement remédier et puis corriger ce qui a été fait dans l'état de siège. Et envisager l'avenir. Est-ce que après la table ronde, après cette table ronde, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons essayer un peu de nous poser cette question aujourd'hui en nous posant la question de savoir est-ce que les réformes qui doivent être dans l'armée, comment est-ce que ces réformes doivent être faites? Est-ce que on réfléchit, est-ce qu'on sait exactement ce qui va se passer? Allons-nous encore tomber dans cette erreur-là où nous faisons les choses et nous pensons que les choses vont aller d'elles-mêmes et que ce que nous avions dit sans y mettre quoi que ce soit, sans réfléchir, sans mettre un plan, ça va aller de cette façon-là. De toutes les façons, aujourd'hui, nous allons encore parler des réformes. Quelles sont les réformes que le Congolais s'attendait à voir? Quelle est la transformation? Quel est le changement que le peuple congolais est en train d'attendre de nos dirigeants actuels, du président Félix, de toute cette bande qui nous dirige aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à espérer dans une année qui reste à Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il va encore assurer que cette fois-là, si on lui donnait le deuxième mandat, est-ce qu'il va réfléchir à mettre les solutions qu'il envisage, quoi? Parce que nous sentons que le président de la République est en train de faire l'opposition. Il réagit sur les choses qui sont en train de se passer dans le pays au lieu de chercher des solutions. Cela s'est constaté effectivement lors de sa sortie médiatique qui a encore fait le fiasco où il a vilipendé les forces armées congolaises, il a vilipendé les niveaux d'études, les niveaux de l'enseignement dans notre pays. A-t-il raison, a-t-il tort, vous aviez entendu. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur ce que nous appelons la transformation de notre force armée congolaise qui a la mission de nous défendre, qui a la mission de remettre la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet, la réforme. Qu'est-ce que le peuple congolais attend de ces réformes dans le secteur, surtout de l'armée, surtout de FARDC? Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Nord Kivu, décision rwandais parmi les 30 rebelles du M23 capturés sur la ligne de front. Et puis RDC procès Tshebeya, peine de mort pour Christian Ngoï, 12 ans de prison pour Jacques Mugabo. Et puis Paul Milambwe acquitté. Tout savoir sur le dossier Bukangalonzo, sur la corruption de l'ancien président de la Cour constitutionnelle par Matata Mponyo. On va sur actualité.cd, Assemblée nationale évaluant des activités, le comité des sages note 80% des dossiers lui soumis en 2021 et au début 2022 ont été traités. Et puis, à suite, Kivu, Assemblée provinciale vote contre la déchéance de la ministre de l'EPST. On va sur Congo profond.
Kasumbalé Sala, DGDA, satisfait de la qualité du nouveau bâtiment de la douane à Kasumbalé Sala. Mbandaka, les nouveaux comités ont pris pris fonction à l'ISP et l'ISDR. 7 sur 7, le bloc patriotique auquel d'un échange de 2 heures entre Fayoulou et Matata. Et puis, dossier 100 jours, la date exacte de la reprise de procès n'est pas encore fixée. Consultation de Nairobi, le projet annoncé risque d'aggraver l'instabilité et l'insécurité, craint le docteur Mukwege. On termine par Radio Okapi, Cape Town. Samalou Kondé rassure les investisseurs sur les efforts pacifiques de la RDC. Près de 400 sinistrés enregistrés après une pluie diluvienne à Kambao. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs. D'entrée de jeu, nous allons nous poser la question de savoir c'est quoi les réformes? Quand il y a réforme, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui doit être fait? Je veux paraphraser un ami, un confrère qui a dit que lorsque les initiés ne savent plus quoi faire, tout le monde s'invite et tout le monde veut en faire entendre sa voix, même si vous n'êtes pas initié. Nous avions vu l'histoire ici que vous m'aviez beaucoup posée sur la Cour constitutionnelle, comment est-ce que y a eu tirage au sort et qu'il n'y a eu que deux juges qui sont tombés. Dans les groupes dans lesquels j'appartiens, dans le WhatsApp, beaucoup de questions m'ont été posées et surtout destinées. Pourquoi? Parce que je parle ici de la Constitution. Je parle des effets de la Constitution sur les déroulements ou bien la marche de notre pays. Respectons-nous la Constitution ou pas? Beaucoup de gens m'ont posé les questions et j'ai répondu encore une fois hier que moi je ne suis pas juriste. Je ne vous fais que révéler certaines choses dont moi-même je me pose comme question. Et moi je dis, cette question encore, nous allons vraiment l'élucider dans une émission live que nous faisons chaque samedi ou à dimanche, quand le temps nous permet, où nous allons y aller vraiment en profondeur. Et là, je vous dirai d'où vient le problème, parce que nous allons compter les cycles de 3 ans, 3 ans, et voir la nomination des juges, tout ça. Et j'ai dit dans beaucoup de choses qu'il y a cacophonie, il y a des choses qui ne marchent pas du côté de la Constitution, de la Cour constitutionnelle. Est-ce que cette Cour est politisée? Nous allons y répondre en tout cas dans 2 jours. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 12 mai. Donc, le week-end qui va suivre qui suivra, nous allons y en parler avec beaucoup plus d'éléments et nous lirons encore une fois de plus la Constitution et nous verrons qu'avec un œil d'un Congolais moyen qui ne comprend pas tout ce qui se passe dans la Constitution et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe exactement à la Cour constitutionnelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes dit, nous allons nous poser la question sur les réformes. Dans tous les secteurs, je ne sais pas simplement dire que les réformes doivent être tout simplement du côté de FARDC. Mais nous nous posons la question, de ce côté-là, quelles sont les réformes qui doivent être entreprises pour qu'il y ait finalement nouveauté dans nos forces armées congolaises. Nous nous sommes dit, avec la configuration actuelle de notre FARDC, qui est acquise et qui est acquise par le président lui-même. Le président lui-même dit que non, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, la police et les militaires, ils sont pour quelque chose. Le président de la République ne nous a pas dit les causes, il ne nous a pas dit, il semble ignorer effectivement qui est l'ennemi exactement. Pourquoi? Parce que je crois qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas recadré le problème. Pour dire que voici là où se trouve le problème et comment nous allons l'attaquer. C'est comme ça qu'on dit les réformes. C'est d'abord circonscrire le problème en disant voici, nous avons une idée d'ensemble. Voici là où vient le problème. Mais comment est-ce que nous pouvons résoudre ce problème-là? Nous devons commencer par A,
B, C, D. Il y a un plan que nous devons mettre en place. Mais depuis que le président de la République est arrivé au pouvoir en 2019, nous n'avons constaté qu'il n'a fait que changer les hommes. Il n'a pas changé le système. Les forces armées congolaises sont restées les mêmes. On a remplacé les gens. C'est comme si dans une voiture, vous remplacez un chauffeur, mais le moteur reste le même. Le carcan de cette voiture reste le même. Le mode de fonctionnement reste le même. Qu'est-ce que nous attendions? Est-ce que nous avions élucidé le problème qui se passait dans notre armée? Le président de la République en avait dit que non, dans nos forces, dans le FARDC, il y a de la mafia. Il avait compris. Mais quelles sont les actions qu'il a entreprises pour remédier à cette histoire-là? Parce que ici, nous cherchons à résoudre un problème de sécurité, un problème de guerre, un problème de groupes armés. Nous connaissons vraiment les causes les causes qui ont fait à ce que les gens prennent les armes et tout ça. Connaissons-nous pourquoi est-ce que les FARDC sont en train de vendre les armes aux ADF, aux groupes armés? Parce que ces groupes armés sont alimentés. Mais comment est-ce que ces gens-là sont alimentés? Est-ce que nous avions vraiment compris pour que nous disions que c'est ici où ça se passe, c'est ici où il y a le problème? Toutes ces questions-là n'ont jamais été rendues publiques. On nous parle que ce sont des secrets militaires. Mais quelles sont les réformes que le président de la République a entrepris au sein du FARDC, au sein de l'armée, au sein de la police? Nous continuons à voir cette... les gens s'embrouillent, les gens se disent ceci, tout ça. Or, lorsque nous prenons la Constitution... Le rôle du président de la République, c'est le garant. C'est à lui qui revient, c'est à lui qu'on posera la question de savoir votre politique de sécurité, votre politique de défense de notre pays. Comment est-ce que vous y prenez? Comment est-ce que vous vous engagez dans ces réformes-là? Quels sont les faits que vous aviez fait pour que nous ayons une armée républicaine, une armée qui est composée de Congolais? Parce qu'on a toujours accusé l'armée que non, l'armée que Tshisekedi a hérité, c'est une armée qui est venue des rebelles, de brassage et tout ça. Mais quel est le mécanisme que vous mettez en place pour que cette armée-là maintenant puisse être une armée républicaine où il n'y a pas de tribalisme, où il n'y a pas de tricherie? Quel est le système que vous mettez en place? Allez-vous le faire avec les mêmes hommes qui ont été accusés de l'autre fois? Nous avons vu, il a nommé des rebelles. Il a envoyé des rebelles pour qu'ils aillent faire des conciliabiles avec les groupes armés et tout ça. Est-ce que c'était ça la solution? Est-ce que c'est ça la bonne solution? Est-ce que c'est ça qu'il appelle les réformes vraiment? Il y a beaucoup de questions auxquelles nous pouvons nous poser ici. Et nous allons toujours voir que la balance se penche du côté de l'humain. Les responsabilités, c'est au président de la République. Il n'a absolument rien fait dans le FARDC. Donc, ce sont les mêmes militaires qui ont été accusés d'enrichissement illicite. Ce sont les mêmes militaires qui ont été accusés, qui sont toujours là et qui continuent à faire leurs affaires. Comment expliquer que deux groupes armés puissent se battre pour le contrôle d'un puits minier? Parce que ce qui se passe à Djougou, ce qui se passe au nord Kivu, ce qui se passe au sud Kivu, ça, c'est le contrôle de ces groupes armés sur les richesses et les richesses de ces contrées-là. Nous ne pouvons pas aller à gauche ou à droite. Nous savons effectivement que dans nos forces armées, parce que la population confirme, je vous avais dit que ici nous avions des documents que lorsque vous entendez, lorsque on vous envoie un document, tu te dis vraiment où sommes-nous? Avons-nous vraiment un commandant suprême de l'armée? Quel est l'accent qui a été mis sur les réformes dans les FARDC pour que cette histoire ici puisse finalement terminer? Est-ce qu'il y a un plan que le président peut mettre en place en disant que ce plan ici, je sais que je veux faire cette, je veux mettre cette politique afin que dans les forces armées congolaises, il puisse pas y avoir des brebis galeux? Et que nous ayons vraiment des militaires, et que ce militaire-là soit
bien payer ce militaire-là, doivent être logés, ce militaire-là, se sentent qu'ils sont en train de travailler pour la République. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons la composition de nos phares d'essai, on se pose la question, vraiment, est-ce que ces gens ici méritent d'être dans le corps militaire? Est-ce que ces gens méritent d'être dans le corps des policiers? Quelles sont les réformes que nous avions entreprises depuis 3 ans? On en parle. On parle de l'insécurité. Ce n'est pas tout simplement en disant que non, nous allons terminer la guerre et que la guerre va terminer en ne mettant pas de mécanismes ou bien des réformes en jouant même sur les logistiques, la logistique de ces forces armées congolaises. Nous avons les armes qui sont servies en même temps à nous tuer nous-mêmes. Et ça, on n'a jamais fait ça. Nous sommes en train tout simplement de continuer à tournoyer. On ne cherche pas de solution. On répond à des actes. On répond aux tueries. Les gens tuent, on dit, ok, nous allons envoyer les secours là-bas. Quelle est l'arme? Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? En tout cas, on se pose la question et on ne voit rien. L'insécurité continue, le FARDC continue à vendre les armes ou même se servir de ces armes-là pour tuer la population. Parce que, qu'est-ce qui est globalement? Je vais être ici bref. Le ZDF n'existe pas. On a parlé de 500 groupes armés. Quels sont ces groupes armés? Avions-nous identifié ces groupes armés? Nous sommes en train de voir dans les réseaux ici, il y a certains groupes armés qui commencent à se dire non, nous allons parler, nous allons nous protéger entre nous-mêmes et que nous allons signer des pactes afin qu'on ne puisse plus se déranger dans les territoires dont nous occupons. Est-ce que l'armée est capable vraiment de déloger ces gens-là? Est-ce que ces gens-là ne sont-ils pas des bandits? Comment est-ce que nous allons mettre tous ces gens ensemble en les reconnaissant d'abord en disant que bon, ok, nous allons causer avec ces groupes armés. Mais quels sont ces, ils sont combien? Est-ce que nous les avons identifiés? Est-ce que nous connaissons que ces groupes armés-là peuvent s'organiser en disant que nous sommes 500, c'est nous qui occupons ce territoire ici? Non. On nous parle que nous, le FARDC a occupé un bastion, tout ça, des groupes armés. Tout ça, c'est de la démagogie. Sont des choses que le président de la République semble ne pas maîtriser. Je dis semble ne pas maîtriser parce qu'aucune solution n'a jamais été mise en place pour dire que non. Voici, nous avons 500 groupes armés. Et au total de ces 500 groupes armés, nous avons un groupe armé qui s'appelle par exemple M23. Il a autant de personnes. Il opère sur tel territoire. Est-ce que nous pouvons les contacter? Mais nous allons dans des discussions avec les groupes armés. Quelqu'un peut se dire aujourd'hui, non, moi j'ai un groupe armé et il n'a que 2 personnes. Il n'a que 3 personnes. Ces gens-là, ils sont en train de terroriser la population. Ils tuent et ils se font grands pour rien. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous devons réfléchir avant de mettre les solutions en place. Même cette conférence-là, la table ronde qu'il est en train d'envisager pour
l'état de siège, je crois qu'elle elle ne pondra pas de bons résultats tant que nous n'avons pas encore un plan vraiment que nous réfléchissons et que nous disons, voici ce plan que nous allons faire. Allons-nous contacter les groupes armés? Nous allons les reconnaître. Ça, c'est parmi les solutions que nous avions proposées avant. Nous nous sommes dit ceci. La solution de la République démocratique du Congo, ou même du FARDC, doit être globale et réfléchie. Nous devons accepter d'abord que nous avions failli à notre mission, donc que nous n'avons pas pu ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce que nous sommes en train de faire ne pourra jamais remettre la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, les solutions, parlons-en. Nous nous avions dit ceci. Nous connaissons les faiblesses de notre armée, mais les réformes doivent être entreprises. Comment? Quel est le premier pas que nous allons entamer? C'est d'abord la formation de nos militaires. La formation ne se fera pas par la bouche. Nous avions dit que le premier pas devrait être de cantonner d'abord ce que nous reconnaissons comme militaire. Nous allons nous dire que venez d'abord, nous allons nous cantonner. Parce que j'ai dit cette action ici, beaucoup de gens sont en train de dire non, ça ne marchera pas, on ne peut pas laisser les territoires comme ça. Non, ça ce sont les gens qui ne réfléchissent pas. Nous avons un grand pays où vous pouvez faire 80, 50 km où tu ne trouveras jamais un militaire. Mais s'il y a dans cette partie-là deux personnes qui terrorisent, qui brûlent le véhicule et qui vous disent qu'ils ont un groupe, ils sont un groupe armé, regardez ce qu'ils sont en train d'être attaqués. Lorsqu'on attaque le véhicule, il n'y a que 3, 4, 5 personnes qui font ces actions-là. La première des choses que nous sommes dit, nous devons d'abord faire l'état physique. Et cet état physique doit être le regroupement. Donc on regroupe d'abord tous ceux qui s'appellent militaires dans un camp. Nous avons dit, nous avions proposé à Nyalek du côté de Beni. Et tout le monde, tous ceux qui ont l'arme, qui se prend l'arme à la main, doivent être d'abord identifiés, regroupés, savoir qui est qui fait quoi, il le fait où. La sécurité de ces gens-là, quels sont les tronçons que vous allez assurer comme sécurité? Et tous ceux qui ne viendront pas à cet rassemblement-là, ils seront considérés comme des rebelles. Et la mesure qui accompagnera cet regroupement de nos hommes en uniforme sera la création d'une police de proximité. Cette police de proximité est en train d'être acclamée par la population en disant que, regardez, ce sont les militaires qui nous tuent. Ce sont les gens de FARDC qui nous tuent. Qui sont les affairistes ici dans ce territoire? Il n'y a pas des ADF. Les ADF n'ont pas l'importance de tuer la population. Car s'ils sont en train de faire cette zizanie, c'est dans cette confusion dans les forces armées congolaises. Cette confusion vient dans les forces armées congolaises. Nous avions dit que ces mesures-là devraient être accompagnées par le départ de la MONUSCO. Le départ de la MONUSCO, c'est un problème qui doit être considéré et que lorsque le terrain sera dans les mains de la population et de ses administrés, quel qu'il soit là, les choses vont changer. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit, ça devrait être accompagné par les états de lieux de territoire. Les états de lieux de territoire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le peuple sur le territoire où il y a cet état de siège, qui a été déclaré état de siège, les territoires, les peuples devraient se réunir en se disant, nous allons créer une police de proximité. Ces états de lieux devront réunir les tribus et les ethnies qui habitent tout ça en se disant, voici, nous avons maintenant la possibilité de nous organiser afin de terminer cette criminalité. Enfin, parce qu'à ce moment-là, la population va se sentir impliquée. Et là, les tribus, les chefs, les politiciens de tous ces contrées-là auront le pouvoir de se dire que non, voici notre police de proximité que nous mettons en place en attendant que notre force armée congolaise est en train d'être réorganisée. C'est à ce moment-là
que les gens qui se distingueront, que nous pourrons dire que non, vous, vous êtes capable, vous avez assumé, par exemple, pendant 3 mois, vous aviez assumé à ce qu'il n'y a pas de, il n'y a plus de mort, il n'y a plus ceci, il n'y a plus... Tout ceci devrait être planifié afin que l'autorité locale puisse connaître qui est en train de faire quoi, parce qu'ils se connaissent. Comment des groupes armés peuvent se réunir en se disant « Nous allons nous entendre à ne plus nous attaquer ou bien à ne plus attaquer les ou bien à créer l'insécurité ?» Comment ils peuvent entendre et signer un document? Et signer un document? Ces gens-là sont connus. Mais Kinshasa fait fi à ça. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. C'est ça justement qui fait à ce que la population qui réclame à ce que nous, nous devons nous prendre en charge. Nous devons essayer un peu de nous combattre, essayer un peu de combattre cette injustice qui règne chez nous. L'injustice, la redistribution des richesses, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de travail, il n'y a pas quoi que ce soit. Pourtant, l'État peut faire quelque chose. Et cet État, à partir de Kinshasa, il a pratiquement échoué. D'autres personnes sont en train de nous dire que non, ces gens-là, non, ces gens-là ont besoin aussi de cette paix. Ils ont besoin de se retrouver. Ces gens-là dont soi ont besoin de se retrouver. Vous allez entendre ces chefs rebelles passer dans le média en disant que non, nous, on ne nous a pas considérés pour aller à Nairobi. Nous, on ne nous a pas fait ceci. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Les conférences, les états de lieux de territoire tenus par les gens, les autochtones, les tribus habitant dans ces contrées-là, qui devront prendre la sécurité en main, qui devront identifier leur population, devra être donné aux administrateurs de territoire qui, tout autour de ces administrateurs de territoire, seront réunis les politiciens et tous les notables et tous les chefs de groupement et tous les chefs de secteur et tous les chefs de tribus et tous les notables qui se réuniront. Nous avions dit, le plan était de réunir autour de l'administrateur de territoire au moins 300 personnes afin qu'ils puissent se dégager des mécanismes, qu'ils puissent mettre des mécanismes en place. Pendant ce temps-là, on est en train de réorganiser notre armée nationale. C'est de cette façon-là que la police de proximité pourra être créée en se disant « Nous-mêmes, la sécurité, nous allons l'assurer. » Et pendant ce temps-là, nous nous sommes dit « Il fallait d'abord fermer toutes les frontières de la République démocratique du Congo. » Pendant ce temps-là où le peuple est en train de s'organiser et se prendre en charge. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut en discuter avec. Mais si nous pensons que toujours avec les armes qui viennent de Kinshasa, une armée désorganisée, une armée qu'on ne sait pas quantifier, pourra terminer l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, nous allons toujours échouer. C'est comme cela que nous nous sommes dit. Le président de la République n'est pas en train de prendre au sérieux le problème de l'est. La réforme au sein de FARDC n'existe pas. La réforme, ce n'est pas nommer des gens. La réforme, c'est regarder d'abord, quantifier qu'est-ce que nous avons. Faites un état de lieu de notre FARDC à l'est de la République démocratique du Congo. On a demandé à ce que tous ces gens-là soient remplacés. Mais ils ne peuvent pas être remplacés par les mêmes personnes que nous accusons qui est en train de faire des affaires. Non! Ça doit venir pratiquement de la population qui se met ensemble en se disant voici ce que nous allons faire. Voici ce qui est le plan. Voici comment est-ce que nous pouvons faire sortir les gens dans la forêt en leur disant que non, il est maintenant le temps de faire la paix. Et que nous devons nous savoir qui fait quoi chez nous. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur la réforme. Mais je vous encouragerai de ne pas manquer le live que nous faisons le samedi. Je crois samedi en tout cas. Tous les moyens sont réunis déjà pour que nous puissions débattre en long et en large dans une émission. Et je crois maintenant, avec la technique, nous aurons les gens qui pourront intervenir et vous faire même des voix, des lives, des témoignages de gens qui sont sur terrain, qui expliquent que non, il n'y a pas des ADF, ce sont les phares de ceux qui sont en train de nous tuer. Les groupes armés se trouvent au sein de phares de ceux. Voilà, merci beaucoup en tout cas encore une fois de plus pour ceux qui sont en train de nous encourager et ceux qui nous sont en train de nous pousser un tour, en tout cas de vous amener ces réflexions ici. Il y a beaucoup de gens, merci à monsieur...
l'ami qui se trouve aux États-Unis qui nous a promis mondes et merveilles. Je suis encore en train d'attendre ce que vous aviez promis pour encourager, pour faire avancer cette émission. J'étais son nom parce qu'il n'a pas voulu à ce que nous puissions dire son nom. Alors, on va se retrouver donc samedi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous retrouvons samedi dans l'émission Contact Pro Live où nous allons faire un live de 2 heures du temps où nous expliquerons encore de long et à large la Constitution et puis nous expliquerons ce qui se passe aujourd'hui à la Cour constitutionnelle et nous parlerons aussi des réformes, même dans l'administration. Il faut faire un état des lieux. Mais est-ce que cet état des lieux a été fait? On ne sait pas. Vous-même, vous connaissez. Merci, on se revoit alors prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.